Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu, poziom rozszerzony. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty jak i instrukcje do wykonania zadań każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie sygnalizowane dźwiękiem przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk rozwiązuj poszczególne zadania Zgodnie z poleceniami, w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie czwarte. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Première information. Plein phare sur les jeunes. En France, le quart des 8000 morts que la route fauche chaque année ont de 15 à 24 ans. Chez les garçons de cet âge, les accidents de la circulation représentent même 40% des décès. Pour en finir avec cette exception culturelle, le gouvernement durcit les règles du jeu. Et il promet que cette fois, il n'y aura pas de pitié pour les barbares de la route. Deuxième information. Jusqu'à maintenant, le permis, c'était 12 points pour tout le monde tout de suite. On vous les ôtait peu à peu en cas d'infraction. À partir de l'an prochain, on ne vous donnera que 6 points à l'obtention du permis. Vous aurez les 6 autres 3 ans après si vous avez été sage. En revanche, si on vous retire quelques-uns des six points pour une infraction, il faudra attendre à nouveau trois ans pour acquérir le total des points. Et si on vous retire les six points d'un coup pour une faute grave, il faudra repasser le permis, après une période de six mois. Le temps de réfléchir. Troisième information. Le contrôle médical concernera tout le monde lors de l'examen du permis. En sachant que papy et mamie ont la vue qui baisse, visite obligatoire tous les deux ans à partir de 75 ans. Le vieillissement démographique s'accentue en France. Alors les personnes âgées sont de plus en plus motorisées et c'est pour leur confort et leur sécurité qu'on fait ces contrôles. Quatrième information. 70% des conducteurs de deux roues ne respectent pas les limitations de vitesse. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont guère de chance d'être contrôlés. Eh bien, c'est fini. En trois ans, un millier de radars pousseront au bord des routes. Ils transmettront automatiquement la photo numérique du chauffard au registre qui, après l'identification de la plaque d'immatriculation, lui enverra la contravention. Cinquième. En 2001, Près d'un accident mortel sur trois impliquait un conducteur avec plus de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang, le plafond autorisé par la loi pour prendre le volant. Le ministre de la Santé réclamait une sanction pour toute trace d'alcool. Le gouvernement a dit non, mais lancera une campagne de sensibilisation sur les risques liés à l'alcool. Et rouler avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 g coûtera 6 points. Première information. Plein phare sur les jeunes. En France, le quart des 8000 morts que la route fauche chaque année ont de 15 à 24 ans. Chez les garçons de cet âge, les accidents de la circulation représentent même 40% des décès. Pour en finir avec cette exception culturelle, le gouvernement durcit les règles du jeu. Et il promet que cette fois, il n'y aura pas de pitié pour les barbares de la route. Deuxième information. Jusqu'à maintenant, le permis, c'était 12 points pour tout le monde tout de suite. On vous les ôtait peu à peu en cas d'infraction. À partir de l'an prochain, on ne vous donnera que 6 points à l'obtention du permis. Vous aurez les 6 autres 3 ans après si vous avez été sage. En revanche, si on vous retire quelques-uns des six points pour une infraction, il faudra attendre à nouveau trois ans pour acquérir le total des points. Et si on vous retire les six points d'un coup pour une faute grave, il faudra repasser le permis, après une période de six mois. Le temps de réfléchir. Troisième information. Le contrôle médical concernera tout le monde lors de l'examen du permis. En sachant que papy et mamie ont la vue qui baisse, visite obligatoire tous les deux ans à partir de 75 ans. Le vieillissement démographique s'accentue en France. Alors les personnes âgées sont de plus en plus motorisées et c'est pour leur confort et leur sécurité qu'on fait ces contrôles. Quatrième information. 70% des conducteurs de deux roues ne respectent pas les limitations de vitesse, parce qu'ils savent qu'ils n'ont guère de chance d'être contrôlés. Eh bien c'est fini. En trois ans, un millier de radars pousseront au bord des routes. Ils transmettront automatiquement la photo numérique du chauffard au registre qui, après l'identification de la plaque d'immatriculation, lui enverra la contravention. Cinquième. En 2001, près d'un accident mortel sur trois impliquait un conducteur avec plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang, le plafond autorisé par la loi pour prendre le volant. Le ministre de la Santé réclamait une sanction pour toute trace d'alcool. Le gouvernement a dit non, mais lancera une campagne de sensibilisation sur les risques liés à l'alcool. Et rouler avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 g coûtera 6 points. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie piąte. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Au cœur du magnifique parc floral de Paris, près de 4000 chiens issus des meilleurs élevages européens vont se mesurer pour le plus grand plaisir des amateurs de beaux et bons chiens. 200 des 300 races actuelles seront présentes, des plus délicats chihuahuas aux plus grands samarnards, des petits costauds, les bulldogs et des géants, les mastifs. Mais on aura aussi l'occasion de découvrir des races rares, même rarissimes. Les visiteurs pourront aussi discuter en direct avec les éleveurs, admirer les démonstrations étonnantes des équipes de surveillance de transport de Paris, des chasseurs, des policiers et des soldats. Et enfin, applaudir les participants au concours d'obéissance. Le spectacle se déroulera samedi et dimanche à partir de 14h, une grande fête à partager avec ses proches. Do tego zadania jeszcze raz. Au cœur du magnifique parc floral de Paris, près de 4000 chiens issus des meilleurs élevages européens vont se mesurer pour le plus grand plaisir des amateurs de beaux et bons chiens. 200 des 300 races actuelles seront présentes: des plus délicats chihuahua, aux plus grands samarnar, des petits Costauds, les Bulldogs et des géants, les mastifs. Mais on aura aussi l'occasion de découvrir des races rares, même rarissimes. Les visiteurs pourront aussi discuter en direct avec les éleveurs, admirer les démonstrations étonnantes des équipes de surveillance de transport de Paris, des chasseurs, des policiers et des soldats. Et enfin, applaudir les participants au concours d'obéissance. Le spectacle se déroulera samedi et dimanche à partir de 14h, une grande fête à partager avec ses proches. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie szóste. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Quel est votre métier aujourd'hui Je suis designer, concepteur de restaurant, un créateur qui apporte le contenant et le contenu. Dans l'harmonie d'un lieu, tout compte. L'environnement, la typo de la carte, l'élaboration de chaque centimètre carré. Vous publiez un très beau livre de recettes de cuisine méditerranéenne. Quelle a été votre inspiration La Méditerranée marque l'origine de notre culture culinaire. Dix historiens ont travaillé avec moi pour chercher les sources des plats de la Méditerranée occidentale. Nous avons extrait l'essentiel culinaire de chaque région avec un regard contemporain. On a l'impression qu'il y a un travail de recréation, que les aliments sont retravaillés ou retouchés. L'idée du livre, c'est que la nature est belle. Je voulais montrer ses couleurs, mettre les nourritures sous un microscope. J'en ai parlé avec Thomas Duval, qui est photographe de mode pour qu'il porte un regard différent sur les ingrédients, les fibres. Vous ouvrez à Beyrouth, à Tokyo, à Las Vegas. Ducasse devient une marque internationale. Mais vous ne dirigez pas réellement les cuisines. Quel est votre apport précis Dans un lieu nouveau, je participe à l'élaboration générale, soit complètement, soit comme partenaire majeur. Et comment faites-vous pour résister à une certaine pression Dans ce métier, qu'est-ce qu'on prend comme coup Mais plus on en prend, plus on est fort. Alors on se fait une carapace, on se protège, comme le canard, pour que ça glisse. Nous faisons un métier médiatique, il faut l'accepter. Par chance, les médias s'intéressent à nous. Après, ce qui compte, c'est le travail quotidien, la persévérance, le désir d'être toujours le meilleur. Quel est votre métier aujourd'hui Je suis designer, concepteur de restaurant. Un créateur qui apporte le contenant et le contenu. Dans l'harmonie d'un lieu, tout compte. L'environnement, la typo de la carte, l'élaboration de chaque centimètre carré. Vous publiez un très beau livre de recettes de cuisine méditerranéenne. Quelle a été votre inspiration La Méditerranée marque l'origine de notre culture culinaire. Dix historiens ont travaillé avec moi pour chercher les sources des plats de la Méditerranée occidentale. Nous avons extrait l'essentiel culinaire de chaque région avec un regard contemporain. On a l'impression qu'il y a un travail de recréation, que les aliments sont retravaillés ou retouchés. L'idée du livre c'est que la nature est belle. Je voulais montrer ses couleurs, mettre les nourritures sous un microscope. J'en ai parlé avec Thomas Duval, qui est photographe de mode, pour qu'il porte un regard différent sur les ingrédients, les fibres. Vous ouvrez à Beyrouth, à Tokyo, à Las Vegas. Ducasse devient une marque internationale. Mais vous ne dirigez pas réellement les cuisines. Quel est votre apport précis dans un lieu nouveau, je participe à l'élaboration générale, soit complètement, soit comme partenaire majeur. Et comment faites-vous pour résister à une certaine pression Dans ce métier, qu'est-ce qu'on prend comme coup Mais plus on en prend, plus on est fort. Alors on se fait une carapace, on se protège, comme le canard, pour que ça glisse. Nous faisons un métier médiatique, il faut l'accepter. Par chance, les médias s'intéressent à nous. Après, ce qui compte, c'est le travail quotidien, la persévérance, le désir d'être toujours le meilleur. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.